Unlimited. J'espère que vous allez bien. Un grand bravo à vous, félicitations pour les 80 000 abonnés sur cette chaîne YouTube. On vous remercie du plus profond du cœur. Pourquoi on ? Parce que tout simplement c'est une petite surprise, je fais dès à présent partie de cette chaîne YouTube. Je me présente, je m'appelle Julia, connue sous le nom de Julia Gameuse. J'ai une chaîne YouTube de gaming où mon but est de divertir à travers ma passion qui est les jeux vidéo. J'espère que vous êtes contents de ma présence, j'espère que je serai le mieux accueilli sur cette chaîne YouTube. Si tu me connais d'après ma chaîne YouTube, n'hésite pas à mettre un hashtag pixel dans les commentaires. Et puis si tu es content de ma venue sur cette chaîne, n'hésite pas également à le dire dans les commentaires. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt. Petite dédicace pour la Know Your Rage, 80 000 abonnés. Unlimited. Hey, bonjour à toutes et à tous, c'est Hypno. On se retrouve aujourd'hui avec la pêche, la patate et une putain de banane. Et oui, vous l'aurez compris, si vous ne connaissez pas, mec, t'as loupé ta vie. Je te jure. Tu connais pas la pêche, la patate, la banane, non, ça te dit rien. C'est pas possible. Mais tu sais, c'est l'époque des trickshots 360, truc de ouf quoi, le truc de la mort qui tue. Non, sérieusement, c'était un truc de ouf. Non, on s'en bat les couilles en fait, c'était des clips, voilà, que je commentais sur Code QG, je commençais toujours avec la pêche, la patate et la banane, voilà, le marchand de fruits et légumes, he's back. Ouais, non, si tu connais pas, c'est que t'es vraiment jeune, c'est que t'as loupé ta vie, mec, t'as loupé ta vie. Recommence une autre vie, c'est pas possible quoi. Non, bref, trêve de plaisanterie. Donc pour les plus anciens, vous me connaissez. Pour les plus jeunes, vous me connaissez pas. Si vous me connaissez pas, vous avez pas loupé votre vie. Parce qu'on s'en bat les couilles. Et même si tu me connais, on s'en bat les couilles aussi. Car c'est pas le plus important dans la vie. Voilà, et bien écoutez, petite vidéo d'Hypno, oui, alors Hypno c'est qui? Bah c'est tout simplement moi qui ai créé la première team perf au monde. Oui, la première team perf au monde, hein. Je t'invite à regarder dans les à propos de la chaîne de la Know Your Rage Motherfucker. Si tu vois la petite date qui apparaît, théoriquement c'est 2012 il me semble, oui, créer ma chaîne perso Hypnotic 93 c'était 2008, commencer les vidéos c'était 2010, et ouais t'as vu, hein, je suis un ancien, je suis un des tout premiers sur Call of avec l'époque de V12, Code QG, tout ça, avec moins de 100 000 abonnés pour tout ça, t'imagines un petit peu, Wartech pareil, moins de 100 000 abonnés, enfin voilà, c'était les prémices, un Skyrose qui avait une toute première chaîne à 10 000 qu'il a arrêté, qu'il a repris, enfin bref, etc. Ils ont tous percé, tant mieux pour eux, c'est génial. Et puis bah voilà, écoutez, tant mieux, hein, il faut jamais envier les autres, faut être content pour les autres mais jamais les envier. Voilà, d'ailleurs je ferai une petite parenthèse sur ça, ou je vais même la faire tout de suite parce que j'ai même pas envie de me prendre la tête. Écoutez, les joueurs perf, les abonnés perf, arrêtez de vous pourrir la vie. Ouais, la Pexi, la Omawaysi, la Rashi, machin, truc bidule. Eh, hey, mais alignez-vous tous, montrez vos zizi, mesurez-le et regardez c'est qui a le plus gros. On s'en fout, je m'adresse à tout le monde. Aussi bien aux tweets débiles venant de la Apex que de la Oh My Way que des membres rage. Tout le monde, je mets tout le monde dans le même sac, c'est normal, vous êtes jeunes. Voilà, je me prends
Pas pour votre daron, je suis pas votre daron, mais bon, j'estime quand même par rapport à la plupart des abonnés, voire des joueurs perfs, j'ai quand même le double de votre âge. Voilà, effectivement, je suis pas un vieux, mais bon, j'ai quand même déjà 32 piges, j'ai mes deux enfants, ma maison, ma vie, elle est faite, YouTube, c'est comme ça, je fais des vidéos, je fais des vues, pas de vues, je m'en bats les couilles. C'est pas ça qui nourrit mes gosses, c'est pas ça qui me permet de me payer ma maison, loin de là, et j'en ai pas du tout besoin. Voilà. Donc c'était pour vous dire, arrêtez de vous prendre la tête sur ça, sur des petites tweets, des petits pics. Alors quand c'est pour se chercher gentil, y a pas de souci. Mais sinon voilà, bon après je vais pas me prendre la tête, hein, peut-être que vous continuerez. Après tout, je m'en fous, c'est juste vous passez plus pour des débiles qu'autre chose, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Franchement, voilà, ça sert à rien, faites votre délire, il y a de la place pour tout le monde. L'Apex sur les infos, etc, machin. La Rage, ils font leur délire. La Oh My Way, poteau, ils font des délires entre potes. Eh ben tant mieux. Dans la plupart des teams, perf, ils sont quand même tous passés à un moment donné ou l'autre par la Rage. Mais c'est pas pour ça qu'ils doivent tout à la Rage, y'a pas de souci. Maintenant, c'est pas pour ça non plus qu'il faut insulter son ancienne crânerie, etc. Vous pensez que ça a changé? Ça a peut-être changé. Il y en a qui regrettent mon époque, c'est sûr, ça me fait plaisir. Maintenant, laissez les nouveaux gérer, ils gèrent comme ils veulent. Enfin voilà, chacun fait son délire. Au pire, vous aimez pas, vous désabonnez. Voilà, si vous aimez certaines vidéos, que vous êtes abonné, celles que vous aimez pas, vous dislikez, c'est fait pour ça. Mais voilà, arrêtez de rager, faites votre délire. Moi, franchement, voilà, je suis content. Je vois plein de jeunes qui ragent que j'ai pu lancer, qui faisait même pas 100 vues, qui savait même pas commenter, qui maintenant ont 200, 300 000 abonnés. Mais tant mieux, mais je suis super content pour eux, super content. Je pense à Napo, Marabout de Code, Tonio, les frères SLB qui maintenant a un taf et qui a plus besoin de YouTube et qui a bien réussi sa vie perso. Tant mieux, c'est génial. La Code Familiar, enfin bref, il y en a plein qui sont passés. Voilà, à un moment donné ou un autre sur la Rage. Je dis pas que c'est la Rage qui les a fait percer. S'ils ont percé, c'est qu'ils étaient bons dans leur truc aussi. Alors peut-être que la Rage leur a donné une petite impulsion à un moment donné, mais c'est pas parce que vous passez dans tel ou tel team que vous allez forcément percer. Enfin voilà, moi je leur demande ni merci, ni merde, ni au revoir. Bon, à la rigueur, je demande juste à tous ceux que j'ai pu aider à un moment donné, c'est juste du respect, c'est tout. En gros, voilà, pas d'insultes, mais j'ai pas un plein là-dessus. Je suis revenu après 2 ans d'absence. J'ai eu franchement tous les clans qui sont venus sur ma chaîne perso. Allez, de temps en temps, vous m'excusez, hein, j'ai un petit peu du mal à regarder l'objectif. Ouais, j'ai un petit peu rouillé de YouTube. Il est là l'objectif, il est là, il est pas là, il est là. Voilà, donc. Voilà, ça m'a fait super plaisir parce que j'ai aussi bien la Apex que la Home que les Rages, etc. qui sont venus me faire un petit coucou. Voilà, c'est tout ce que je demande, du respect, je vous respecte, vous me respectez. Moi, perso, j'ai pas eu de soucis, mais c'est vrai que je vois des guéguerres entre les uns et les autres. Bref, arrêtez, on s'en fout, on n'est pas là pour ça. Voilà, c'est fini. Donc en tout cas, moi, sinon, c'est une petite vidéo parce que, bah voilà, la Rage, ça reste quand même mon bébé. Je vous dis, première team perf au monde créée, voilà, depuis elle a été doublée. Bon, bah tant mieux pour les autres, etc. Mais c'est vrai que voilà, j'étais tout premier. C'est m'est venu d'une idée de Sandy Ravage qui avait créé une team avec plein de gros youtubeurs code, voilà, et en fait j'ai dit mais pourquoi être gros, on peut très bien faire une équipe pour le délire, et voilà la première, hein, et team, voilà, c'était Gacheroi, Neo, il y avait Doggy, enfin voilà, il y avait pas mal de monde, je voulais même pas commencer à citer, parce que franchement si je commence à citer tous ceux qui sont passés Rage, ou voilà, je vais en oublier, bref, Azonix, enfin voilà, il y en a plein, mais voilà, les prémices c'était ça, c'était ceux que je viens de vous citer, etc, j'en ai encore oublié 2-3, excusez-moi, voilà, la mémoire me perd, mais en tout cas, voilà, on s'en fout, c'était vraiment, voilà, c'était comme ça que je l'ai créé, maintenant elle est toujours là, moi j'espère l'avoir un jour à 100K, pas pour me palucher, mais voilà, pour me dire, bah voilà, c'est aussi pour recevoir ce petit cadre, vous savez, des 100K. Bah voilà, je peux le mettre dans le bureau et me dire, bah voilà, j'ai monté un petit truc. Voilà, il faut savoir que moi, je gère plus rien, je donne des petits conseils, etc. Je touche rien du tout sur la Rage. J'ai tout donné aux jeunes. J'ai pas demandé à être payé pour donner la team. J'ai pas vendu la chaîne. J'ai donné la chaîne, voilà. Parce que je m'en fous, je suis content si un jeune peut la monter. Et puis demain, même si demain la Rage, elle fait 1 million d'abonnés et des millions de vues, bah ça sera le jeune qui le gère, qui touchera, voilà, je m'en fous. La seule chose que je leur ai dit, écoutez, le premier cadre des 100K, petit souvenir, ça je le garde, le reste vous faites ce que vous voulez. Voilà, donc maintenant je leur souhaite bon courage, ils sont arrivés à 80K, bah écoutez les mecs, GG, j'espère que vous irez à 100K, effectivement il n'y a pas les vues d'une chaîne à 80K, mais au final qu'est-ce qu'on s'en fout du moment qu'on prend les plaisirs, regardez, moi j'ai ma chaîne perso, je l'ai carrément viré de bord, je faisais du call of, maintenant je fais des vidéos en famille, tranquille, pépère, je m'en bats les couilles, j'ai 45K, je perds 100 abonnés par jour parce que c'est plus du call of et que les gens sont déçus, je fais 200 vues par vidéo, mais je m'en fous, je m'éclate avec ma femme, mes gosses,
et c'est l'essentiel. Enfin voilà, vous prenez pas la tête et profitez, et puis YouTube, pensez que ça sera pas forcément votre boulot, ils seront très très peu à être élus, à avoir un taf, à vivre de ça, donc prenez-le comme un jeu, comme une distraction, et faites-vous plaisir. En tout cas, GG pour les 80K, la Know Your Rage, je sais, j'ai un petit peu fait mon papa avec cette petite partie de pas se prendre la tête, mais ça me tient à cœur, vous me connaissez, enfin voilà. En tout cas, vous avez vu que j'ai toujours la pêche, la patate et la banane, en tout cas, voilà. Bah écoutez, moi ça m'a fait plaisir de vous parler, et puis j'espère qu'on se retrouvera dans une autre vidéo pour peut-être vous refaire un petit coucou. Allez, ciao les gens, portez-vous bien, c'était Hypno, ciao, bye bye.